Bien sûr, il est là. C'est moi qui ai hésité, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage, c'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Très bien. Si vous connaissiez l'histoire de ma famille, vous n'oseriez pas, monsieur Jadot. Mais monsieur, moi, monsieur contrairement Zemmour... à vous, monsieur Jadot, laissez-moi finir. Moi, contrairement à vous, ma famille a été dénaturalisée par le maréchal Pétain. Donc, ce n'est pas moi qui allais vous donner les leçons. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Moi, j'ai un oncle qui a été envoyé dans les camps de concentration. Je connais tout ça. Alors... Et ensuite, s'il vous plaît, on avance. Qui tue aujourd'hui des juifs? Aujourd'hui. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Alors ne donnez pas de leçons. C'est facile d'être résistant 80 ans après.